très content de l'avoir parmi nous, parce qu'on sait que voilà, on avait besoin de ce joueur-là devant et qui nous amène un peu plus d'expérience et de poids sur le plan offensif. Donc voilà, lui c'était bienvenu. Et puis je ne doute pas qu'il va, comme tous les recrues qui nous ont rejoints, il va nous apporter toute sa qualité déjà sur le plan footballistique et sur le plan humain aussi. J'ai eu la chance d'être là parce que c'est une belle opportunité pour moi de montrer ce que je vaux. Surtout comme vous avez dit, vous ne me connaissiez pas et j'étais vraiment surpris positivement. Même si je parlais déjà avec le coach bien avant. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est une belle opportunité, c'est une chance. Et donc ça sera à moi de donner le meilleur de moi pour essayer d'aider le club à atteindre ses objectifs. Personnellement, non, ça n'a pas pesé sur moi parce que tout ce que je me suis dit quand le coach m'a appelé, c'était juste une belle opportunité pour moi. Et j'ai voulu la saisir, donc j'ai été honoré, j'ai même pas pensé à ce qui se passait, à la situation du club. Je me suis dit, je peux arriver, je peux aider le club en donnant le meilleur de moi. Donc c'était juste une belle opportunité, j'ai pas pensé aux joueurs qui sont là. Je me suis juste dit, je vais la saisir et puis c'est tout. Je me sens déjà bien, mais je sais que si je bosse mieux, je bosse plus, c'est mieux, ouais, ça sera vraiment top. Je vais tout donner pour essayer de marquer. C'est clair que mon objectif quand je vais sur le terrain, c'est essayer de marquer, mais la priorité, c'est d'abord que l'équipe gagne. Une mission, je pense pas, mais je me suis toujours dit, parce que moi j'ai grandi comme ça, je me suis dit, j'essaie toujours de copier les aînés, d'essayer de tirer le meilleur d'eux, du positif. Après voilà, j'ai remarqué que beaucoup de joueurs, ils sont bien réceptifs, ils sont respectueux, donc je pense que ça devrait être beaucoup plus facile. Bon, maintenant c'est à moi de... Parce que comme j'ai toujours dit, même si tu veux qu'on te respecte, il faut déjà que tu respectes les autres, même si voilà, ils sont beaucoup plus jeunes que toi. Et je pense que c'est sur le terrain qu'ils vont beaucoup plus me respecter. Bon, déjà si je monte bien de meilleure qualité, ils vont me respecter automatiquement.